Je suis hyper contente de l'avoir vu, quoi. Ça te fait quoi, toi? Franchement, j'en tremble presque. Hello tout le monde, on est le dimanche 16 juin et je m'apprête à aller au salon de la pâtisserie. Donc c'est un vlog spécial, je vais vous amener absolument partout dans le salon et on va passer ce salon ensemble, donc c'est parti. Je suis avec Amandine. Coucou Amandine. Coucou. Bon, on était ensemble depuis hier. Et on est arrivé au salon de la pâtisserie. Ouais, on espère qu'on va avoir du beau monde. Il y a un beau soleil en tout cas. Ouais, on va s'enfermer alors qu'il fait super beau. On aurait pu être à la plage et tout. Non, grave. Nous on va s'enfermer. Mais c'est pas grave. Oh, on tombe sur quoi? Silicone Art. Faut pas rentrer avec un moule, mais à mon avis... N'est-ce pas, Amandine? On va passer la journée ici, donc je pense qu'il va y avoir des achats. Compulsifs ou pas, on sait pas quoi.
Il y a Monsieur Conticini, regardez. Ouais. Trop cool. Oh, je suis super contente de l'avoir vu, quoi. Ça te fait quoi, toi? Franchement, j'en tremble presque. Franchement, j'y attendais pas. Et il est pareil à la télé. Enfin, non, tu trouves pas? Oui. Moi, je trouve qu'il est pareil. Viens, on le suit. Tu où? Oh là là, j'ai croisé mon chef préféré. Ça y est, je peux mourir tranquille, quoi. Petite dégustation. C'est bon? C'est quoi? C'est une amande? Ouais. C'est bon? Là, il y a encore des petites choses à déguster encore. Oh, c'est bon, hein? C'est bon, ça. Allez, petite dégustation de glace avec un abricot, quoi, rôti, c'est ça qu'on a dit, Amandine? Ouais, rôti. Rôti, et ça, en fait, on est arrivé. Voilà, on est arrivé, la recette était pratiquement finie, et du coup, on est arrivé pendant la dégustation. C'est bon ou pas? Ouais, nickel. C'est bon? Allez, moi, je vais goûter aussi. Et franchement, la glace, elle est super bonne. C'est l'heure du 4h. C'est très très bon. En plus, l'abricot, il est cuit avec du thym. C'est hyper bon. Il y a ça après. Ça, c'est dingue. C'est trop bon. Je me suis pris un petit smoothie effet bonne mine avec de la fraise, de la myrtille. Je crois qu'il y a un petit peu de framboise dedans, avec du jus de pomme et tout, ça fait du bien. Parce que comme on n'arrête pas de déguster du sucre et plein de petits trucs, du chocolat, voilà, ça fait du bien de prendre un truc un peu frais et pas gras. Voilà. D'être là, Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France en 2000, chef pâtissier bien sûr, et vous avez été coach de l'équipe de France de pâtisserie, championne du monde en 2006. Et puis également Myriam Sabé, fondatrice de la maison Alep. Aleph, pardon. Alors, j'aimerais commencer avec vous et de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi
la pâtisserie. Pourquoi devenir chef pâtissier? Parce que vous avez un parcours assez particulier. Vous avez d'abord travaillé en finance, vous avez décidé de tout plaquer pour faire de la pâtisserie. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi le plus beau métier du monde, justement? Non, quand on plaque tout, c'est vraiment qu'on idéalise ce métier-là. J'ai travaillé pendant 12 ans en finance et j'étais pas complexe. Mais il faut aussi se prémunir et se préserver parce qu'on peut rentrer dans une sorte de dépendance passionnée. C'est-à-dire que quand on a franchi le pas, on ne revient plus en arrière, c'est terminé. Difficile. On va refaire un petit tour de table parce qu'on a bien compris à quel point vous êtes tous passionnés et à quel point ce métier vous anime. Alors j'ai envie de vous demander quel est votre plus beau souvenir professionnel, Maria, vous savez. En fait, moi, mes souvenirs, c'est pour ça que je continue à vouloir aller en boutique et à tenir ma boutique, ma toute petite boutique, au moins 2 jours semaine. Parce que j'en ai souvent les larmes aux yeux. Quand des clients vraiment ressentent, sont émus de ce qu'ils goûtent. Et j'aurais jamais cru dans ma vie ressentir ce genre de choses. Dès que c'est compliqué, la boîte, la gestion, le staff, la compta, etc. Je retourne en boutique et rien que ressentir l'émotion qu'on transmet avec nos créations, ce qui est un petit peu hallucinant. Je pense que la pâtisserie, c'est réconfortant. Donc faire plaisir aux autres, et ils sont là tous, ils le disent bien, tous les trois, que faire plaisir aux autres, c'est quand même super important. Et quand on vit dans une période un peu triste ou nette, c'est quelque chose qui met de bonne humeur. Et moi, je défends la pâtisserie, les artisans, les pâtissiers, parce que je suis très, très admirative, parce que c'est un vrai métier de passion et que c'est pas un métier évident. On travaille des heures et des heures et des heures, et c'est souvent ce que les clients ne se rendent pas compte. C'est tout le travail qu'il y a derrière, plus la gestion, plus gérer le personnel. Et ça, c'est loin d'être évident aussi. Donc moi, je leur dis juste bravo, quoi. Et que continuez comme ça, faites-nous plaisir. Alors, on a craqué pour ça, le finger, et une tartelette fraise rhubarbe. Et on va la couper en deux parce qu'on est... Parce qu'on est gourmande et qu'on veut goûter. Du coup, mon verdict du sans sucre, sans gluten, moi je suis pas très fan. Amandine, le chocolat, tu l'as trouvé comment? Tu sens bien l'amertume du chocolat. Ouais, même le chocolat, du coup, il est pas sucré. Après, même le sans gluten, c'est quand même un peu spécial. Ouais, après, c'est intéressant pour ceux qui. Hey, viens, mec. Hey. Fais coucou. Ça va? Vous allez bien? Coucou. Et du coup, la tarte à la fraise. Meilleur, ouais, meilleur. C'est spécial. Je viens de la goûter, la tarte à la fraise de chez Machin, c'est ça? Ouais. Chez les Belles Folies? Voilà. Ah. J'ai pris un doigt. T'as pris un finger? Ah, mais c'est ce qu'on vient de manger. T'aimes le chocolat fort? Bon courage pour la dégustation. Ça va. Ça y est, on est parti avec Amandine du salon de la pâtisserie. Donc, écoutez, ce que j'en ai pensé, moi, c'était la première fois que j'allais au salon. Je pense que l'année prochaine j'y retournerai, mais je vais peut-être pas rester aussi longtemps parce qu'en fait avec Amandine on a trouvé que on fait 10 fois le tour du salon et en fait on a tout vu, quoi. Ce qui est cool, c'est de voir certains pâtissiers faire des conférences, faire des masterclass, tout ça c'est chouette. Et de voir plus ou moins toutes les marques qu'on connaît, Silicomart, etc. Et puis j'ai trouvé vraiment que c'était sympa, je pense que l'année prochaine j'y retournerai. Mais voilà quoi, après c'est... C'est un super salon et puis je regrette vraiment pas d'être venue. Et en tout cas, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas en commentaire de me dire si vous êtes allé au salon, si vous connaissez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu. Puis je vous dis à très bientôt. Salut.